Et il est 22h19, merci d'être avec nous. Live 365, le plateau de Live 365 est inhabituellement rempli pour la page foutue S. On a fait les choses en grand Ouais, tout à fait. pour cette dernière. En plus de Thomas Lepape, le rédacteur en chef du magazine Force and Goal, que vous avez l'habitude de retrouver chaque dimanche pour la page foot américain du casque de diamant, eh bien vous êtes venu accompagner. Vous êtes venu accompagner de la mascotte des Molosses d'Asnières, premièrement. Tout à fait, avec Churchill, qui est notre, enfin, la mascotte élite, hein, qui va représenter un petit peu. Et puis vous êtes venu en compagnie de Claire, de Manuela et de Catherine, qui sont les cheerleaders des Templiers d'Élancourt. Tout à fait, les Templiers d'Élancourt qui d'ailleurs hier sont qualifiés, hein, pour les playoffs avec une victoire. Oui, les Templiers d'Élancourt qui sont qualifiés pour les playoffs avec les Black Panthers. Ils rejoignent donc le Flash de la Courneuve et les Dauphins de Nice. Claire, on a énormément de questions pour vous. Pas de Ça problème. sera juste après les mascottes, mais on va déjà savoir tout à l'heure, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le cheerleading aujourd'hui. Est-ce que c'est différent des pop-up girls? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est de la gym? Est-ce que c'est les deux, finalement? Préparez-vous, on a une petite dizaine de questions. On va commencer par les mascottes, parce que ça existe depuis le début du siècle aux États-Unis, mais à la base, je crois que en tout Le cas, pas la terme. mascotte, mais le terme Tout vient de France, Thomas. à fait, c'est un terme du sud de la France en fait, qui désignait les enfants qui naissaient avec beaucoup de cheveux. Et en fait, on disait que ça portait chance d'avoir beaucoup de cheveux quand on naissait. Donc on appelait ça une mascotte. Et en fait, il y a une petite opérette qui racontait cette histoire-là, qui a passé l'Atlantique parce que c'était très populaire. Et derrière, on a dit, c'est le porte-bonheur. Quand on a une équipe et qu'on a un porte-bonheur, on va appeler ça une mascotte aux États-Unis. Et donc, une des toutes premières, ça a été un chien, d'ailleurs, qui C'était était un bulldog aussi ou un c'était... bull terrier. C'est pas très, très éloigné. C'était l'Université de Géorgie, dans les années 1890, qui a eu une des premières mascottes universitaires aux États-Unis. D'ailleurs, les mascottes, il faut bien comprendre, tout est dans la gestuelle. Vous nous confirmez ou vous infirmez, hein, mais je crois qu'elles n'ont pas le droit de parler. C'est uniquement des gestes parfois provoquants. On voit souvent du côté des matchs de baseball US ou de foot US, non pas des combats de mascottes, mais des provocations auprès de la foule. Ce que ne peuvent d'ailleurs pas se permettre les cheerleaders. Mais pour les mascottes, on n'hésite pas à jouer avec le public, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une mascotte qui est assez connue, par exemple, aux États-Unis, hein, qui est la mascotte de Kansas City, Casey Wolf, qui est habituée, qui vient en général avec un quad, qui saute au-dessus des gens, qui se bagarre un petit peu avec les autres Donc les mascottes, qui va les mascottes ont le permis renverser. moto. Oui, tout à fait. Il y en a deux. Il y a aussi, ils ont le permis Harley Davidson aussi, parce qu'il y a des mascottes en Harley aux États-Unis aussi qui aiment bien, quoi. Il y a des compètes de mascottes, alors peut-être pas en France, mais en tout cas dans le monde. Oui, alors dans le monde, oui, il y a même un Pro Bowl. En fait, c'est le Pro Bowl, comme en NBA, comme dans tous ces sports-là. Donc, un match avec les meilleures mascottes de l'année. Et donc, ils font un petit match. Et puis en France, pour la finale du casque de diamant qui aura lieu le 22 juin, il y aura aussi une élection de mascotte cette année pour avoir la plus populaire. Et donc, Churchill essaiera d'y défendre, Est-ce que les couleurs. la mascotte des Molosses d'Asnières est en bonne position dans ce classement des mascottes? Voilà. Je pense qu'il Numéro vous a 1, répondu, donc après je ne numéro sais 1. pas. Verra. Est-ce que chaque équipe de foot US a une Non. mascotte? Est-ce que chaque équipe a... Non, non. Alors, aux États-Unis, c'est plutôt quelque chose de répandu et on va dire 90% en ont. En France, c'est relativement naissant et c'est les Gerfaux qui ont créé une des premières mascottes il y a quelques années. Et donc, depuis, ça se développe un petit peu, mais par exemple, Churchill est la seule mascotte en première division. Après, il y en a en deuxième division, il y en a en troisième division. Il y en a un peu à tous les niveaux, Il y a mais peut-être c'est. des animaux qui sont plus faciles à mascotter, en tout cas à incarner, que Alors, d'autres. les dauphins de Nice, pour avoir un dauphin, ça sera un peu plus compliqué. En même temps, on se rappelle avec Ace Ventura, peut-être avec Jim Carrey, qui était un film assez connu, où il recherchait justement la mascotte des dauphins de Miami, qui serait équivalent et qui était un vrai dauphin qui s'appelait Flocon de Neige. Donc après, il y a aussi des vrais animaux qui ont pu être utilisés. Une mascotte humaine en dauphin, c'était un peu plus compliqué à faire. Mascotte, vous avez un pitbull chez vous ou... Ah! Un bull terrier, je sais pas. Un bull terrier. Bon, on évite les indiscrétions. On va terminer. Est-ce qu'il y a déjà eu des combats de mascottes? Est-ce que En ça vous est France. déjà arrivé de vous friter avec une mascotte, peut-être en FA Cup ou en compétition européenne? Parce que parfois, Alors l'année on vous dernière, voit faire signe avec le popotin ou en tout cas le postérieur. J'ai l'impression que c'est tellement chaud que je me demande comment on fait pour ne pas déraper. L'année dernière, je crois qu'il y avait un concours de pompe entre la mascotte du Flash et la mascotte du London Blitz, où ils s'étaient mis sur le bord du terrain, ils faisaient des concours de pompe. Mais c'est à peu près la seule provoque un petit peu que j'ai vue en Vous n'êtes France. pas fait plaquer par un joueur d'une équipe adverse, vous n'avez pas pris un ballon pendant que vous étiez en train d'haranguer les foules.
Bon, c'est fini pour les mascottes. Vous restez, vous continuez de faire le show, hein. Vous restez avec nous, la mascotte des Molosses d'Asnières qui est en notre compagnie, qui défendra sa place de numéro 1, hein, lors de la dernière journée, lors de la finale du casque de diamant. On va désormais parler de l'autre phénomène qui anime les matchs de foot US, c'est le cheerleading. Mmh. Et à la base, Thomas, c'est une discipline qui était pratiquée chez les hommes. Alors ça continue, mais à la base, il y avait beaucoup plus d'hommes que de filles. En fait, c'est vrai qu'au début, le cheerleading, quand il a été créé à la fin du 19e siècle, c'était une discipline qui était 100% masculine et qui était plus là pour mettre la claque, entre guillemets, c'est-à-dire un peu encourager les équipes. Et dans les années 40-50, ça s'est inversé, on est tombé dans une discipline plutôt féminine. Et aujourd'hui, aux États-Unis, puisqu'il faut être licencié, syndiqué pour être dans une cheerleader aux États-Unis, aujourd'hui, on compte 97% de filles. Donc on voit qu'on a complètement retourné la perspective. Et ça s'est à peu près produit dans les années 50-60. Et la médiatisation aidant, et en particulier à partir des années fin des années 70, les télés ont été très friandes du phénomène cheerleading et on a de plus en plus eu des filles. Bon, merci. Merci Thomas Depape. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Force and Goal. Je vais me tourner vers la capitaine maintenant des cheerleaders des Templiers des Lancours. Claire, vous avez découvert cette discipline aux États-Unis ou comment non. ça s'est passé? Alors moi, j'ai découvert ça aux Templiers parce que j'ai des enfants qui jouent aux Templiers. Donc, ils jouent au foot US. Tout au à flag. Fait. J'en ai un au flag et j'en ai un en cadet qui va passer en junior là. On a passé énormément de temps sur les terrains de foot US. Et c'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné que ça serait très sympathique d'avoir des filles sur le terrain pour mettre un petit peu d'ambiance, le show, qu'elles fassent le show à la mi-temps. C'est exactement ce qu'on fait aux Templiers. Qu'est-ce qui vous a fait accrocher? C'était parce que vous aviez envie d'encourager Templiers. Le club, tout simplement, parce que ce soit l'élite, que ce soit les cadets, ils sont tous super et on a envie de les encourager et voilà. Et il y avait des tas de filles qui étaient prêtes à le faire, donc on a monté l'équipe. Oui, on est avec Manuela et Catherine. Alors Manuela, vous êtes sur ma droite, Catherine sur ma gauche. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous connaissez quelqu'un qui vous a dit viens faire du cheerleading? Faut aller dans le micro. Pas du tout, je suis partie de l'équipe du foot US de base et je me suis dit pourquoi pas m'investir un peu plus. Donc vous faites les deux, vous tout jouez au foot US avec les garçons en cadet, voilà. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas m'investir un peu plus et ça m'a plu, un côté féminin. Donc ça se passe comment? Vous jouez la première mi-temps et à la mi-temps vous mettez un short plutôt court et vous allez jeter les pompons ou il y a des matchs que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne pouvez pas jouer en même c'est temps ça. Être cheerleader? Bah moi voilà, quand c'est ma section en cadet, je joue pas en cheerleader, je suis sur le terrain. D'accord. Et les filles m'animent. Et le reste du temps, les copines vous encouragent. Catherine, pourquoi le cheerleading? Bah moi en fait, je fais de la gymnastique en dehors. Mmh. Et un jour, je suis arrivée à la gym en disant que je voudrais faire du cheerleading comme dans les films. Et vous en regardez comment vos copines? En rigolant. Mais en fait, il s'est passé qu'une fille qui fait de la gym dans l'équipe de ma sœur a dit « Ah, c'est vrai, parce que l'année prochaine, je serai la coach des cheerleaders templiers. » Et elle m'a dit « Bah viens voir comment ça se passe et si ça te plaît, viens dans l'équipe. » Alors Catherine nous parle de... C'est la coach sportive. Parce que moi, je suis simplement responsable. Mmh. Il y a une coach sportive qui fait toutes qui les, chorégraphies. Faire les chorégraphies. Voilà, tout etc. à fait. Parce que c'est vraiment... D'ailleurs, elle nous fait des super belles chorégraphies qui nous a permis de gagner le challenge IDF cette année. Parce que comme on a simplement monté la section en septembre, on n'a pas fait les championnats de France. On a fait le challenge IDF qu'on a remporté avec le titre de meilleure chorégraphie. Ouais, le challenge Île-de-France. Oui. Thomas nous disait que c'était en train de se structurer. C'était à la mode. Vous ressentez, vous, l'engouement? Alors, il y a un championnat de France et un championnat du monde même de tout de à fait. Tout à fait. Ah ben, c'est exactement comme le foot US. Il va falloir que ça perce hein, parce qu'au bout d'un moment... Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'équipes. Je crois qu'il y a environ 90 équipes en France. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Et je crois qu'il y a plus de licenciés en cheerleading que dans le flag. Pour oui, les trois disciplines qui sont regroupées tout par la Fédé de foot tout US. À fait. Oui. C'est quand la même deuxième, un sport qui est conséquent en termes de licenciés. Oui. Au-delà du cliché qu'on voit dans les films, on voit la cheerleaderuse qui sort avec le capitaine de l'équipe de foot de la fac. C'est quand même une véritable prestation. Catherine nous parle de gym. Oui. C'est quoi? C'est un mix entre de la danse et de la gym? C'est un mix entre de la danse, de la gymnastique. C'est-à-dire que Catherine ne vous le dit pas là, mais elle nous fait des double flips sans problème. D'accord. Voilà. Donc oui. Et ça, c'est pas juste le samedi. Il y a des heures d'entraînement la semaine? Ah, tout à fait. Cool. En fait, on s'entraîne le vendredi. Si vous voulez répondre, les filles. Le plateau est trop petit pour faire un double flip ou pas, Catherine? Je peux en faire un.
Non, mais vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Si on en fait un, je m'éloigne parce que je n'ai pas encore mis ça en plateau. On va voir tout à l'heure. C'est combien d'heures d'entraînement dans une semaine pour On s'entraîne au cheerleading le vendredi de 20h à 22h, une fois par semaine. Et on s'entraîne avant les matchs. On se revoit avant pour préparer la choré et la peaufiner. Pour être au top. Qu'est-ce qu'il y a le plus qu'est-ce que c'est le plus dur dans le cheerleading, c'est d'être en rythme avec les autres, être en rythme avec la musique. Oui, tout de même quand même, c'est être en rythme. Vous êtes combien? Vous êtes c'est une dizaine. On est neuf. Neuf. On est neuf actuellement. Ouais. Et quand il y en a une qui. On fait avec, on modifie les placements. En général, c'est souvent à la dernière minute et tout s'arrange. C'est super, voilà. on gère. Il n'y a pas eu de catastrophe encore avec les backflips, tout ça, parce que c'est une discipline qui est impressionnante, en fait. Tout à fait, certains pensent que c'est juste En fait, il y a vraiment deux catégories différentes. Il y a le cheerleading, où il y a énormément de portée et pas beaucoup de chorégraphie dansée, et le cheer dancing, où nous, on fait un mixte des deux. Le cheer dancing, donc, c'est de la chorégraphie, des portées, des flips, des tas de choses comme ça. On rappelle que c'est un sport mix. Vous avez une équipe uniquement de filles pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'on a commencé qu'en septembre, donc on voulait déjà voir ce que ça donnait. Apparemment, c'est en bonne voie. Donc c'est vrai que là, en septembre prochain, si des garçons veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Il faut simplement que ce soit des gymnastes pour pouvoir faire des portées, des doubles flips, tout ça, quoi. Manuela, des vrais gymnastes. Manuela, le cheerleading, ce sont des filles, mais vous auriez envie de collaborer avec des garçons Oui, tout à fait, ça pourrait être super sympa pour les porter, pour monter encore plus. Parce que du coup, là, c'est des filles qui vous portent aussi. Hein. Oui, on se porte entre nous, voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous faites pendant les matchs? C'est plutôt la mi-temps, c'est plutôt avant la rencontre? Vous pouvez nous décrire le scénario type du... On fait l'entrée des joueurs, donc les joueurs passent entre nous. Donc là, il y a une l'honneur. Voilà, tout à fait. On est sur le terrain, on les motive jusqu'au bout, et après, pendant la mi-temps, on danse. Et s'ils gagnent, en général, on fait encore le show à la fin. Et pendant les changements de terrain aussi, vous intervenez Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir des petits portés sur le terrain ou tout simplement les acclamer en leur demandant un touchdown. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour être une bonne cheerleader si on... Il faut être sportive parce que sincèrement, la chorégraphie qu'elles font à la mi-temps dure 5-6 minutes, mais c'est vraiment très dur. C'est-à-dire qu'elles enchaînent. C'est du cardio à fond. Donc, ça va qu'elles ont la pêche, mais c'est très, très dur. Bon, et puis une dernière question, parce que vous êtes les cheerleaders des Templiers d'Elancourt. Oui. Est-ce qu'il faut avoir une affinité avec une équipe? Est-ce que vous pouvez produire d'autres prestations dans d'autres sports? Comment ça se passe? On vous appelle pour des galas de patinage, pour du volleyball? Oui. Alors, nous, pour l'instant, on s'occupe des Templiers d'Elancourt parce que c'est notre club, parce qu'on les soutient, Mais effectivement, il n'y a pas très, très longtemps, on nous a demandé de faire un match de soccer. Ça s'est pas fait parce qu'ils ont perdu et que du coup ils ont tout annulé. Mais c'est pas que dans le foot US. Non. Bon, ben merci beaucoup. Nous, pour l'instant, on est Templiers d'Elancourt. Voilà. Merci beaucoup, Claire, Manuela et Catherine. On peut improviser quelque chose, un petit LIVE 365, non? Ou comment ça se passe? C'est le nom de l'émission. Ça s'appelle Live 365. Vous voulez nous improviser un petit chant ou comme vous voulez. Avec les pompons, moi je veux bien. Chant des Templiers. Donnez-moi L ou le chant des Templiers pour voir ce que ça rend. Nous, on veut bien le chant des Templiers. Le chant des Templiers, je vais prendre un pompon ou vous les utilisez? Vous voulez les miens? Je vais en prendre un, voilà, juste un, ça suffira. Avec le micro? Est-ce que je peux juste donner le nom du site internet? Bah oui, juste après la chanson. D'accord. Et puis ça marche. Vous avez une mascotte aussi? Oui, il y avait la mascotte. Voilà. C'est parti donc pour le chant des Templiers. C'est parti. 3, 4, 4. T-I-M-N-P! L-I-E-R, Templier, Gold, Red and White, Let's us fight! Yeah! Voilà, les Templiers d'Elancourt et les cheerleaders, merci beaucoup les filles. L'adresse du site internet pour les inscriptions? Alors c'est afc-templier.net. Voilà. Merci beaucoup Claire, Manuela, Catherine et puis bien sûr la mascotte des Molosses d'Anières. On remercie le président Thomas Depape des Molosses d'Anières. Jacques Guyot. Jacques Guyon qui est venu ce soir et qui nous a apporté ce joli costume et bien sûr la mascotte. Merci beaucoup. Tout de suite, 22h33, 365 secondes d'info. C'est toute l'actu sportive à retenir de la rédac. On se retrouve juste derrière pour un point Ligue 1.